Le solo arrive, donc là j'ai utilisé une fois de plus la wah-wah, je l'active, hop. Et ce que j'ai fait en fait, j'ai voulu avoir un son qui soit très haché, donc vous allez voir, le principe c'est qu'il y a une note, et après les deux autres sont hachés, bloqués. Alors c'est parti. Voilà, juste une idée assez simple, mais tout le long à développer, ça marche très bien avec l'accompagnement qu'il y a derrière. Ensuite, j'arrive sur un solo plus classique. Et voilà, des grands bends, des vibratos très expressifs. Et je reprends sur l'idée du hachage, cette fois à l'octave, donc cette fois en double note.